Donc alors là, on est en train de goûter Hermitage 2010. 2010, un tout bébé. Bon, mise en bouteille, ça fait 2-3 mois. Mmh. Donc, millésime par excellence de l'équilibre et de la matière. En fait, sur l'Hermitage 2010, on ressent un peu plus de puissance, hein, bien entendu, mais tout en ayant, et c'est là le paradoxe, encore plus de finesse. C'est ça la beauté et la puissance de ce terroir. En fait, on est sur des vins qui, on arrive à magnifier en fait, l'équilibre par le haut, bien entendu, avec toujours au départ, là on est sur un bébé, sur une phase d'élevage encore, mais on peut déguster d'autres hermitages où on se rend compte que l'élevage, oh, c'est des vins oubliés de 3 ans. Hein, de 3 oui. ans. Après, ce qui se passe, c'est qu'on peut les ouvrir au bout de 3 à 4 ans. Mm-hmm. Mais à mon sens, sur un hermitage 2010, c'est un vin à attendre 7-8 ans. Minimum. Toute cette phase d'élevage va être complètement oubliée. On parlait tout à l'heure de côté poivre, réglisse, tout ça, etc. Là, on va les magnifier, on va aller encore plus loin, on va aller sur des notes un petit peu de cuir, un petit peu plus, secondaire, voire tertiaire. Et ce sont des vins qui, là aussi, seront sur du gibier, mais on peut aller sur tout ce qui est style des sauces un peu plus poivrées, un peu plus. On peut aller plus sur la puissance. Et ça ira vraiment bien, mais à ce moment-là, c'est les vins oubliés 7-8 ans minimum. D'ailleurs, ça coûte mieux que tout à l'heure. Hein. Ça y est. Je trouvais qu'on avait gagné en longueur, mais on n'avait pas gagné en style. C'était moins épuré que je pensais lorsqu'on avait goûté le 2011. Et là, je trouve que ça y est, il a la phase marquée bois est un peu moins prégnante et c'est plus épuré. Il fallait encore un peu plus de temps. Ce qui est logique. Hein, c'est des vins qu'il faudrait oublier pendant 5-6 ans facile, hein, minimum. Et sur 2010, enfin, moi, j'aime pas donner des très longues dates parce que ça fait tout de suite. Et puis des fois, on peut être déçu. Et puis j'aime bien les vins avec un peu de fruits, donc j'aime pas les vins trop vieux. Mais je suis persuadé que ce vin, il tiendra 10-15 ans facile.